Good morgen, allez Yiden, les sujets seront aujourd'hui le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal, Rachel Batsara et Avraham Ben Shushan. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Rosh Hashanah, Perigvet Mishnah Devet, mais ou mais Aïn Ayou Masin Mesuot, mais Ara Mishra les Sardeva, ou Misardeva les Grofina, ou Migrofina les Chavran, ou Michavran les Bet Biltin, ou Mibet Biltin, l'Ozazo Misham. Elle a molé Chomevi, ou Male, ou Morida Chehuro, ou Achayaroe, Kol Agola, les Fanav, Kimdurata Esh. On est en train d'apprendre depuis trois Mishnayot maintenant, pour la troisième Mishnah, comment on faisait passer le signal jusqu'aux habitants de Babel, de Babylone, de Dirak, qu'on avait renouvelé la lune à Yerushalayim. Donc quand le 30e jour du mois précédent, on avait décrété que ça allait être Rosh Chodesh, le soir suivant, donc qui sera le deuxième du mois d'après, puisque la journée on a décrété, c'est devenu, c'est plus le 30, c'est devenu le premier de la journée d'après, le soir qui suit, on est le 2, et on avait un système, donc, de monter avec des torches en haut des montagnes, au sommet des montagnes, de certaines montagnes, comme ce qu'on va voir tout de suite, et on faisait le signal, on envoyait le signal, Molich Mevi, Malé Moride, il va, il le ramène, il monte, il redescend, il refait le signal comme ça plusieurs fois, jusqu'à que dans la montagne d'après, on refait le signal, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à que le message arrivait à Babel. Alors, Ume Aïn Ayumasin Mesuot, et d'où, à quel endroit on montait, à quel sommet on montait pour balancer ces torches, faire ce signal. Alors il y avait Mehar Amishra depuis, Amishra c'est le mont des Oliviers, Arazetim, jusqu'à Sarteva. Il y avait en direction là-bas vers la Syrie, je ne sais pas où, mais vous imaginez bien quand on est depuis Arazetim, là-bas on a une belle vue comme ça sur des montagnes un peu plus loin, il y avait là-bas une montagne, je ne sais pas où, qui s'appelait Sarteva, et là-bas donc, Guetté. Et lorsque vous voyez qu'on avait fait le signal ici, le signal partait jusqu'à là-bas, il se mettait à le faire. Au Misar Teva, les Grofina, et une autre montagne comme ça, ainsi de suite, jusqu'à Grofina, et de Grofina jusqu'à Chavran, c'est-à-dire, toujours le principe, celui qui est dans la première montagne, il fait le signal, il attend que l'autre qui est en face de lui fasse le signal. Une fois que l'autre est en face de lui, il a fait le signal. Dans la troisième montagne aussi, il se mettait à faire le signal, parce qu'il avait vu la deuxième, et la quatrième, ainsi de suite. Au Misar Chavran et les Bet Biltin, aussi ce. Alors là, j'imagine qu'on est déjà pas mal rentré en Syrie, quoi, ou Mibet Biltin, Lozazou Misham, jusqu'à la dernière limite, j'imagine qu'on a la dernière montagne, et puis après, ça y est, ça commence maintenant, l'Irak, qui est Babel, qui est cette fois-ci, qui est plus montagneux, qui est au contraire, qui est une grande, apparemment, c'est une grande, plutôt, une région de vallée, quoi, apparemment, et là, hein, et donc, il restait là-bas, et puis, depuis Bet Biltin, c'était la dernière limite, qui était au fond de la Syrie, à la limite avec l'Irak. Et là-bas, et là, Molich, seulement là-bas, il continue, excuse-moi, ou mais Bet Biltin, depuis Bet Biltin, l'Ozazou Misham, ça y est, on ne s'arrêtait pas, on restait là-bas en train de faire le signal, et on refaisait le signal, et cette fois-ci, il n'y avait plus de chaîne pour déclencher autre chose, mais il y avait autre chose. Et là, Molich Mevi, parce que, excuse-moi, je vais un petit peu en arrière, chaque fois qu'un, il a fait le signal à Aramishra, pour celui qui était de Sarteva et de Sarteva à Grofina, dès que le message il est passé à Sarteva, celui de Aramishra il s'arrête de faire et il n'a pas d'intérêt à continuer. Ouais, le but c'est d'envoyer le message là-bas, donc une fois que le message est parti, il n'y a pas d'intérêt à continuer à l'envoyer. Ça c'était donc pour les premiers. Mais le dernier qui arrivait à la dernière, c'était la septième si je ne me trompe pas, si on calcule, on a donc Aramishra, Sarteva, Grofina, Chavran et Bet Biltin. À la cinquième montagne, au cinquième sommet, il restait là-bas sur place et il continue à refaire le signal. Et la Moli Chomevi au Malé Moride, il reste là-bas, il continue à faire le signal sans arrêt, il recommence. Achayan Roe, Kolagola, Lefanaf, Kimduratesh. La Mishnah me dit, jusqu'à qu'il voyait devant lui qu'il y avait toute la diaspora, là, tous les qui étaient entièrement en train de brûler. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, chaque bon juif guettait le signal. Et quand il y avait le signal, il montait sur son toit avec une plus petite torche cette fois-ci, c'était plus la peine de faire la méga torche, et pour y monter sur lui, il faisait lui aussi le signal, et comme ça, il y avait devant lui, comme ça, tout le monde était en train de le faire, et comme ça, c'était bien clair que c'était bien diffusé de partout, et la Mishnah parle un petit peu en machal, parce qu'il y avait que tout Babel était en train de brûler, en fait, parce qu'en fait, vous voyez sur le toit, qu'il y avait le signal qui avait bien été réceptionné, qui avait bien été transmis. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Sela.